Ok. Ok. Alors, chers amis, bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Soyez salués, chers amis, soyez salués. Je salue vos familles, je salue vos enfants, je salue vos femmes, je salue vos maris. Je salue tous nos amis ivoiriens, africains et toujours, surtout nos amis du monde entier. Alors, ce matin, je suis en direct pour donner mon opinion sur certains sujets qui font actuellement l'actualité. C'est d'abord le clash de certains hommes politiques depuis que les gens sont devenus, ils se sont annoncés candidats aux élections présidentielles. J'avais pensé que quand on dit qu'on est candidat aux élections présidentielles, c'était pour proposer des projets aux Ivoiriens. Malheureusement, depuis quelque temps, nous remarquons sur la scène politique ivoirienne à l'extérieur comme à l'intérieur que ceux qui se sont déclarés candidats aux élections présidentielles sont plus dans des clashs. Voilà, ils sont plus dans des clashs au lieu d'aller à l'essentiel, de nous proposer véritablement ce dont ils seront capables quand ils seront au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils sont plus dans les clashs et c'est un peu gênant. Secondant, il y a un groupe de personnes depuis un certain temps qui sont captées sur l'actualité en Guinée, qui sont captés sur l'actualité guinéenne et qui font des posts, je veux parler du PDC-IRDA, du FPI et tous ces partisans, c'est-à-dire nos opposants. Nombreux rêvent à ce qui se passe actuellement en Guinée, se passe même en Côte d'Ivoire. Alors je suis là pour essayer de leur dire ce qui est tout à fait à mon avis juste, voilà, je vais leur dire juste parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a souffert des soulèvements populaires. Voilà, il y a eu des soulèvements populaires, le peuple a trop fait. Les Ivoiriens ont trop donné pendant des années. Il y a eu des rébellions, il y a eu des massacres. Et cela n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Alors, je suis là pour leur dire ce matin cette vérité. Alors, chers amis, partagez la vidéo. Envoyez déjà, comme vous savez si bien le faire, je l'ai dit, nous sommes déjà en campagne. Nous sommes en campagne présidentielle. Nous, au RHDP, vous avez vu déjà ici, c'est le pan commandant, comme c'est beaucoup. Voilà, le temps déjà de payer. Ici, il y a Oufoué Boigny, il y a le président Alassane Ouattara. Donc, c'est mon pagne que j'ai mis derrière ici. Voilà, ça, c'est mon pagne RHDP, Oufoué Boigny, le président Alassane Ouattara. Vous comprenez pourquoi Zasso est engagé véritablement depuis que le président Ouattara est au pouvoir. Pourquoi Zasso se bat pour que 2020... Je vous ai dit que nous, là, on prépare déjà 2025. Voilà, nous, on prépare déjà 2025 parce qu'on est serein. On est serein et on croit à nos cadres, on croit à nos militants, on croit aux sympathisants et on croit véritablement au peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je crois personnellement aux Ivoiriens. Je sais que les Ivoiriens sont très intelligents. Ils savent, ils ont les yeux, ils observent bien. Ils savent ce qui est bon, ils savent ce qui n'est pas bon. Donc, le moment viendra où chacun de nous portera un jugement clair. Voilà. On va comparer les régimes passés. On va comparer le régime du président Ouattara. C'est comme ça que les choses fonctionnent ici en Europe. Voilà, on regarde ce que tu as fait dans le passé, on regarde ton passé, si tu traînais des casseroles, si tu avais fait les mauvaises choses, je vous dis qu'en Europe ici, quand tu as fait les mauvaises choses, tu as fait rébellion, tu as volé, tu as pillé, tu as fait du n'importe quoi, ici tu ne peux pas être candidat. Parce que leurs prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui ont construit la France, les De Gaulle et autres aux États-Unis, avec les grands leaders américains, en Russie et autres, les Gorbatchev et autres, qui ont souffert. Et qui ont fait de ces pays comme la Russie, aujourd'hui des grands pays, on ne choisit pas n'importe qui pour les mettre à la tête des États. On ne choisit pas n'importe qui. Parce qu'un pays, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je vous dis toujours, je vous le répète, ce sont de gros intérêts. Ce ne sont pas seulement que les intérêts des Ivoiriens que nous sommes, mais il y a les intérêts aussi de tous ceux qui sont là pendant des années, qui nous soutiennent, tous ces ambassadeurs, tous ces hommes d'affaires, tous ces Ivoiriens de l'extérieur qui investissent en Côte d'Ivoire. Je parle surtout, il faut que les Ivoiriens de la diaspora maintenant comprennent le sens de la politique, du combat qu'ils ont engagé. Parce que vous êtes ici chez vous, vous investissez en Côte d'Ivoire.
Vous savez combien de fois ici nous souffrons? Vous savez combien de fois les gens souffrent ici pour aller investir en Côte d'Ivoire? Tu ne peux pas te battre, souffrir, et puis prier que dans ton pays, il y ait la guerre, il y ait l'instabilité, il y ait le désordre. C'est pour ça que je dis, l'implication de la diaspora doit être importante dans tout débat politique en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je donne plus d'importance à l'extérieur. Je suis pour que la diaspora se mobilise comme un seul homme, comme nous l'avons fait il n'y a pas longtemps à Montreuil. La mobilisation a été exceptionnelle. On a montré à ceux d'Abidjan que nous, la diaspora, nous comptons dans ce débat politique. Et il faut que nous ayons notre place dans ce débat politique. On doit se battre pour occuper notre place. On ne va pas nous donner la place, mais c'est à nous-mêmes de prendre notre place. Parce que la plupart de tous ceux qui dirigent ce pays ont fait la diaspora. Ils savent, ils connaissent l'importance de la diaspora. C'est vrai, quand certains rentrent en Afrique, ils veulent faire croire comme si la diaspora ivoirienne n'est pas importante. Parce que le vrai problème, la diaspora ivoirienne ne s'est pas encore réveillée. Elle ne s'est pas encore réveillée comme la diaspora malienne, comme la diaspora ghanéenne, nigériane, et dans beaucoup de pays du monde. La diaspora française, américaine et autres. En Côte d'Ivoire, notre diaspora encore otage des conflits politiques. Notre diaspora encore otage des problèmes de personnes. Ils sont encore dans les processus, alors qu'ici, où ils vivent, c'est des choses qui n'existent pas. Ici, ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts qui comptent plus. Donc, chers amis, ce direct, tout à l'heure, nous allons parler. On aura moins de 40 minutes. Ça, cette fois-ci, je vous le promets, on ne va pas dépasser ça. Je vais parler aussi, profiter pour parler au cadre du RHDP. Parce que je pense qu'il faut, c'est le temps maintenant qu'on se dise certaines vérités. Voilà, il faut qu'on se dise certaines vérités parce que c'est important. Le président Ouattara, comme Oufo-Boigny, se donne beaucoup pour faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Et aujourd'hui, je suis là pour demander, dire aux uns aux autres que 2020, c'est capital pour chacun d'entre nous. C'est capital pour chacun d'entre nous. Certains se demandent, mais pourquoi Zasso se bantant, pourquoi le président Ouattara, en 2020, le RHDP soit au pouvoir. Chers amis, c'est parce que je vis en Europe. C'est parce que je vis en Europe et j'ai maintenant une bonne vision des choses. Ce que le président Ouattara fait là, c'est ce qu'on fait en Europe ici. C'est ce qui se passe en Europe ici. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est l'un des chefs de l'État qui a compris, qui a une vraie vision des choses, qui a de grands réseaux dans la sous-région, au plan international. C'est un homme qui s'est bien ficelé. C'est un homme, en tout cas, il est posé. C'est quelqu'un qui est calé. Il est calé. Il a réussi véritablement à préparer sa lutte. Il a fait les grandes institutions financières. Il sait comment on développe un pays. C'est vrai, à un certain moment donné, il y a eu des difficultés parce qu'il était mal entouré. Il était mal entouré, il était dans un système où, après la crise politique de 2010 que le camp Gbagbo nous a imposé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, le président Ouattara était obligé de travailler avec Soro, il était obligé de travailler avec Bédier. Moi, j'ai appelé ça des scorpions, des serpents, mais Dieu merci, ils sont vite sortis. À moins de 2 ans des élections, eux-mêmes, ils sont déjà partis. Donc, ça nous donne maintenant une visibilité. Ça nous permet maintenant, chers amis, de véritablement nous mettre en travail parce que le serpent... Parce que si on les laissait être avec nous, peut-être que dès les derniers moments, on allait connaître des difficultés. Maintenant, comme ils sont partis d'eux-mêmes, on les a aussi encouragés à partir parce que c'est important. À un certain moment donné, il faut savoir enlever le serpent dans ta poche. Donc, le président Ouattara a vite compris avec les tentatives de coup d'État à Boaké. Je vous l'ai dit... Les mutineries, les révoltes des députés qui se battaient à l'Assemblée nationale pour qu'on augmente leur salaire, tout ceci et tout cela. Voilà, on a compris, on a vu les histoires de, comme on appelle ça, des microbes ici. Ce sont des trucs qui étaient financés par des hommes politiques, qui finançaient des individus pour créer le désordre. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens ont compris que la meilleure façon de déstabiliser un pouvoir, il faut d'abord s'appuyer. Je vous le dis toujours, hein, dans tous les pays du monde, on a connu ça dans toutes les grandes révolutions. Si ce n'est pas les étudiants, il faut toucher le côté des enfants. On a créé un système pour dire les microbes. On finançait des hommes inconscients à qui on donne l'argent et qui vont prendre des enfants qu'on arme, à qui on donne des couteaux et qui vont, qui tuent des Ivoiriens. Dieu merci, les choses se sont bien passées. Nous nous sommes battus pour que Abobo soit au maire du ministre Ahmed Bakayoko. Les zones qui étaient touchées, je pense que je voudrais encore saluer notre police nationale. Je voudrais saluer notre armée, je voudrais saluer tous les responsables de la sécurité et surtout en particulier le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko, parce qu'un excellent travail a été abattu. Je continue de dire à nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire vous, c'est votre travail, c'est votre mission. C'est votre mission, faire de sorte que ce pays ait la paix et la stabilité. La force d'une grande nation,
la stabilité dans une nation, l'éducation dans une nation, c'est la prise de conscience de nos forces de défense et de sécurité. Vous êtes là, vous êtes payé pour ça. Les gens travaillent, on vous paye. Parce que chacun de nous, chacun de vous est fonctionnaire. Donc chacun doit mettre dans sa tête qu'il fait sa part pour faire avancer la société. Aujourd'hui, nos forces de défense dans les pays modernes, un vrai soldat n'est pas dans le coup d'État. Un vrai soldat n'est pas dans les rébellions. Ça, c'est dans les anciens temps. Aujourd'hui, on a des armées modernes. Nous avons des policiers modernes, civilisés, bien éduqués, dans l'intérêt du peuple. Parce qu'on l'a connu pendant des années. Aujourd'hui, Dieu merci, le pays est devenu plus calme parce qu'on a eu un grand dirigeant à la tête de la Côte d'Ivoire, du nom du président Alassane Ouattara. Nous le disons parce que c'est notre pays à nous tous. Nous devons nous battre. Je l'ai dit, nos aînés qui se sont succédés à un certain moment donné à la tête de la Côte d'Ivoire n'ont pas travaillé, ils n'ont pas protégé le pays. Ils n'ont pas défendu les Ivoiriens. Ils n'étaient pas véritablement préparés et ils ont cédé au pouvoir d'État. Aujourd'hui, nous avons connu les résultats. Ça a été vraiment un désastre total. Ça a été des morts, des rébellions, des coups d'État, un désordre, des réfugiés. Aujourd'hui, le pays se porte bien. Le pays est fréquentable. En tout cas, le pays est fréquentable. Les investisseurs se bousculent. Comme on appelle ça à la porte de la Côte d'Ivoire, je vous dis aujourd'hui que nous avons pratiquement plus de 2 millions. Pratiquement plus de 2 millions. 2 millions de visiteurs. 2 millions de personnes qui traversent aujourd'hui notre aéroport. Notre grand frère Adama Bitogwa était clair, vous l'a dit. Quand vous voyez aujourd'hui les grands hôtels qu'on a construits en Côte d'Ivoire, ce sont les amis de la sous-région qui occupent aujourd'hui à 90% ces hôtels. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue un beau pays, un joli pays, à l'image de l'actuel dirigeant. Je pense que s'il est venu tôt, mais malheureusement, il a été incompris depuis qu'au four l'a envoyé. Il avait en face de lui des gens qui ne comprenaient pas beaucoup de choses. C'est comme aujourd'hui, Zasso fait des efforts pour essayer de sensibiliser, mais on va toujours continuer parce que le travail de la sensibilisation, ça ne se fait pas en un jour, ça va prendre des années. Dieu merci, beaucoup ont déjà compris. Au début, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, beaucoup sont en train de comprendre. Donc, chaque citoyen, de là où il est, doit d'abord mettre dans sa tête, au-delà d'aimer les partis politiques, d'être pro-babo, pro-ceci, pro-cela, d'avoir sa colère, sa haine. La seule chose que nous devons d'abord rechercher, c'est d'abord la paix, la stabilité dans notre pays. Parce qu'il s'agit d'un intérêt général. Les dirigeants qui viennent s'en vont. Mais il faut que la Côte d'Ivoire continue. La Côte d'Ivoire ne doit pas être bloquée. Chers amis, c'est pour ça que je suis là pour dire à tous mes amis de la diaspora, avec qui je change beaucoup, nous sommes ouverts. Il faut qu'on s'ouvre. Il faut qu'on apprenne à s'ouvrir. Il faut qu'on apprenne à se parler. Il faut qu'on apprenne à se retrouver. Parce que nous sommes dans des pays où ils doivent normalement faire de sorte que nous, on ait déjà des avantages sur beaucoup de choses. Parce que nous sommes dans des pays civilisés, modernes. On sait comment les gens font la politique ici. On ne peut pas traverser des frontières, venir ici dans des pays modernes et puis se comporter comme des gens qui vivent dans des campements quelque part. Rester sur les réseaux sociaux, s'insulter au nom de ceci, au nom de cela. Moi, je ne suis plus à ce stade politique. Aujourd'hui, la politique, il faut l'amener pour un peuple, pour des citoyens. La politique, là, sécurité, paix, développement. Sécurité, paix, développement. Voilà la vraie politique. Ceux qui n'ont pas été capables, battons-nous pour les amener à la retraite. Ne nous battons pas pour les ramener sur la scène politique. Les Blancs ne le font pas. Ici, là, tu as gouverné, ça n'a pas marché. On t'amène à la retraite. On n'a pas le temps de se battre comme chez nous. Des gens se battent pour que ceux qui ont gouverné ce pays, qui ont fait du tort à ce pays, qui ont détruit ce pays, reviennent sur la scène politique. Je pense que c'est beaucoup de choses qu'il faut corriger. Et ça, ce sont des mentalités qu'il faut vraiment condamner. Ce sont des mentalités qu'il faut combattre. Et moi, je suis prêt. Nous continuerons de combattre ces mentalités parce qu'elles ne font pas avancer l'Afrique. Elles ne font pas avancer l'Afrique. Regardez aujourd'hui au Nigeria. Regardez aujourd'hui au Ghana. Mais il faut une continuité. Regardez aujourd'hui, comme on appelle l'alternance au Sénégal, partout. Les autres ont essayé, ça n'a pas marché. Ne vous battez plus pour les ramener. S'ils ont des problèmes de justice, mais qui sont devant la justice? Est-ce qu'ils sont les premiers chefs d'État qui sont devant des problèmes de justice? Est-ce qu'ils sont les premiers chefs d'État? Il y a eu des grands chefs d'État dans ce monde qui sont devant la justice. Où est le problème? Laissez-les, c'est des intellectuels. Ils ont eu l'argent, ils ont des avocats. Les avocats vont faire leur travail. Ce n'est pas à nous, de chaque jour dans nos pays, quand la justice, quand il y a un problème de justice, alors on amène tout ça sur le terrain politique. Mais c'est malheureux.
C'est-à-dire, aujourd'hui, on a imposé une certaine mentalité aux Ivoiriens qui fait que l'Ivoirien même n'arrive plus à se ressaisir, n'arrive plus à comprendre que dans un pays, on a besoin d'une justice. Parce que c'est la justice qui nous permet, nous tous, à un certain moment donné, de nous canaliser. Mais si on veut détruire la justice, on veut attaquer la justice, mais si la justice n'existe pas, il y aura un désordre. Ici, chez les Blancs, là, pourquoi il y a l'ordre? Parce qu'il y a la justice. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi dans leur pays. Nul n'est au-dessus de la loi. Arrêtons le populisme. Arrêtons de faire la propagande. Arrêtons de faire le culte de la personnalité. Les gens ont fait des choses, laissons la justice faire son travail. Et sur ce point, je continue d'être toujours dur. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, surtout dans mon pays, on n'accompagne pas les gens dans ce qu'ils veulent nous imposer. On crée le désordre. Des hommes politiques en Côte d'Ivoire peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent tuer. Ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Quand ils sont interpellés par la justice, il y a des individus qui se lèvent. Ah non, c'est la justice. Ah non. Et alors que pourquoi ici, quand les Nicolas Sarkozy ont des problèmes, on ne parle pas de politique, on dit la justice. Aux États-Unis, on dit la justice. En Russie, on dit la justice. Au Ghana, on dit la justice. Mais en Côte d'Ivoire, non, c'est la politique. C'est le président Ouattara. C'est la politique. C'est parce qu'on ne veut pas changer les choses. On ne veut pas. Ça veut dire qu'on ne veut pas changer les choses. On n'est pas prêt pour la démocratie. On n'est pas prêt pour que nos États soient de grands États. Mais si on attaque toujours la justice, que cette justice n'existe pas, à un certain moment donné, la justice n'a pas existé à Boaké. Vous avez vu quand il y a eu la rébellion, il n'y avait plus de justice. C'était du n'importe quoi, c'était du bordel, c'était du désordre à Boaké, dans la zone occupée par Diom Soro. Parce qu'il n'y avait personne pour mettre de l'ordre. Chacun était son chef. Alors, on ne peut pas incendier notre justice. Des femmes ont été violées à Boaké. N'importe qui peut se lever, tout ce qu'il peut faire du n'importe quoi. On peut tuer des enfants, on peut prendre des armes, parce qu'il y a eu des règlements de comptes. Des familles qui ont été torturées, humiliées, dans le Nord, même dans l'Ouest. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens, non, battons-nous pour qu'il y ait justice dans notre pays. Moi, mes associés, il y a un problème de justice, laissez-moi mes avocats. Si vous pouvez cotiser pour me soutenir, tenir financièrement mes avocats, il n'y a pas de problème. Mais le jour où, si en Côte d'Ivoire, j'ai un problème de justice, moi-même, je vais venir vers vous et je vous dirai, je suis un homme politique, vous me soutenez, je suis d'accord avec vous, mais laissons la justice faire son travail. C'est simple, c'est pas compliqué. Si chaque homme politique arrive à éduquer la masse, à changer les mentalités des masses, je pense que la Côte d'Ivoire sera un grand pays. Les slogans de réconciliation que nous tenons, c'est trop hypocrite. En Côte d'Ivoire, nous sommes beaucoup hypocrites. Et on est beaucoup malhonnêtes. On n'est pas sérieux, on n'est pas sincère avec nos populations, avec nos peuples. On n'est pas sincère. Les gens préfèrent la crise. Plus la crise est là, plus le pays est bloqué, plus les gens se battent. Mais vous, vous devenez toujours pauvres. Vous devenez toujours pauvres parce que c'est une minorité qui va s'accaparer les richesses. Ils s'accaparent les richesses. Et ils deviennent riches avec leurs enfants. Mais vous, vous le peuple, vous devenez toujours pauvres. C'est ce qu'eux, ils veulent. Créer le blocage, créer le désordre. Et ils profitent. Et puis, vous, chaque jour, vous devenez pauvres. Après, maintenant, ils vont venir faire des discours. Ils vont dire, non, c'est la croissance qui fait que les Ivoiriens sont pauvres. C'est la croissance qui fait que ceci, c'est la croissance qui fait que cela. Ce n'est pas vrai. La pauvreté, c'est dû au fait qu'à un certain moment donné, on a imposé le désordre dans le pays. Il y a eu de la rébellion. Ces crimes-là. Ces entreprises, il y a des gens qui ont perdu leurs entreprises. Il y a des zones qui n'ont pas fonctionné pendant des années. L'État n'existait pas. Non, il y a des populations qui ont quitté Boaké avant. Boaké, c'était une belle ville. Le Nord avant. Mais il y a des gens qui étaient obligés de quitter le Nord pour venir tous s'asseoir à Abidjan. Moi, j'étais là. J'ai vu l'exode de ces populations vers Abidjan pendant la crise ivoirienne. Non, je ne peux pas accepter que des soi-disant hommes politiques viennent s'asseoir, mais en Suisse et en Chine. Regardez la Chine, la croissance était à 10%. Quand la Chine a connu ce moment de crise et que la Chine a commencé à se relever, la croissance était à 10%. Mais aujourd'hui, vous regardez aujourd'hui la Chine. La croissance, ça ne se ressent pas immédiatement. C'est un long travail qu'il faut accompagner pour les années à venir. Mais aujourd'hui, là, la Chine a commencé à une croissance de 10%. Mais aujourd'hui, regardez la Chine. Regardez Shanghai. Regardez tous ces grands pays. C'est le travail des peuples, c'est le travail des cadres, des intellectuels, des gouvernants, des dirigeants, des citoyens, que tu sois infirmier, docteur, maçon, forgeron, nous tous, paysans, c'est notre travail qui fera que demain,
après le président Ouattara, la Côte d'Ivoire continuera d'être un grand pays. C'est pour ça, nous autres, nous avons pris la responsabilité de nous asseoir là pour interpeller les Ivoiriens. Inviter les Ivoiriens à se réveiller. Dire aux Ivoiriens qu'il est temps qu'on sorte des conflits des hommes politiques et qu'on pense à notre avenir. Il faut qu'on pense à l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord vous, votre avenir. C'est l'avenir de vos enfants. C'est l'avenir de vos petits-enfants, de génération en génération. C'est la stabilité pour vos mamans, pour vos papas, pour vos grands-parents. Vous avez vu à Boakintan, quand il y a eu la guerre, nos parents pleuraient, les vieux pleuraient. À ce 21e siècle, des gens prennent des armes pour traumatiser les populations. Mais c'est irrespectueux, c'est immoral et c'est impoli. Des gens qui se sont battus pour ce pays pendant des années, qui ont travaillé, qui ont donné toute leur vie. Aujourd'hui, sous leurs yeux, on prend des armes, on les traumatise. Et puis après, on appelle à la réconciliation. Et puis après, on vient s'asseoir et dire réconcilions-nous. Non, Ouattara n'a pas réussi la réconciliation. Le président Ouattara n'a pas... En fait, ils sont dans des systèmes, ils croient que nous sommes des idiots. Ils peuvent se réconcilier. Ce sont des grands garçons, ce sont des grands messieurs. Ils peuvent s'asseoir et puis se réconcilier. Ils peuvent se retrouver quelque part et puis se parler entre eux. Mais pourquoi ils veulent que leur réconciliation soit une publicité? Pourquoi ils veulent que leur réconciliation soit une affaire nationale? Pourquoi? Mais ça ne nous intéresse pas, le peuple a des réalités. Pendant 20 ans, vous vous êtes réconciliés, ça porte quoi? Ça portait quoi aux Ivoiriens? Comme la jeunesse n'est pas encore mature, on profite de l'immaturité de cette population, de cette jeunesse, pour atteindre des objectifs. Aujourd'hui, il faut se réveiller. Il faut que la jeunesse dans son ensemble se réveille, parce que les élections de 2020 sont d'abord les élections de la jeunesse. C'est à la jeunesse, Obama l'a dit. Il dit, nos États seront de grands États si nous, notre génération, là, on ouvre les yeux. Si chacun de nous rentre au plus profond de lui-même et commence à comprendre qu'arrive un certain moment donné, il faut arrêter de jouer le jeu des hommes politiques, il faut passer à son intérêt. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est nos ressources, c'est notre richesse à nous tous. Non, les ressources du pays doivent profiter à chaque citoyen. Les ressources du pays doivent nous profiter. Quand l'État finit de faire ses dépenses, le reste, là, on doit partager ensemble. On doit vivre ensemble, on doit s'occuper du côté social et autres. On ne peut pas être là. Pour une crise, déjà, c'est ça, ils deviennent des multimilliardaires et c'est les mêmes qu'on regarde. C'est les mêmes qu'on regarde pendant des années. Ce sont eux qui sont ministres, ce sont eux qui sont nommés et ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Aujourd'hui, combien de jeunes sont dans le gouvernement? Le président Ouattara aujourd'hui fait des efforts. Mais regardez dans les gouvernements passés. Ce sont les aînés qui sont là. Alors qu'ici, on voit aujourd'hui des jeunes qui occupent des fonctions importantes. Des jeunes qui occupent des fonctions. Aujourd'hui, arrivés au Rwanda, ce sont des grands défis au Ghana. Au Ghana, la jeunesse est au cœur de tout. En Côte d'Ivoire, la jeunesse n'a pas sa place. On appelle la jeunesse à faire la guerre. On appelle la jeunesse à s'affronter, à descendre dans la rue. On prépare les esprits de la jeunesse à tout ce qui n'apporte rien à la jeunesse. À tout ce qui ne leur apporte rien. Après, on dit non, les enfants sont devenus des brouteurs. Mais comment on ne peut pas devenir brouteur si vous-même qui êtes les aînés, vous vous asseyez, vous faites des systèmes, des rébellions, vous devenez des multimilliardaires, mais vous voulez que ces enfants fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Je condamne cela, mais c'est vous-même qui encouragez, parce que vous-même, vous vous comportez comme des brouteurs. Vous vous comportez comme des brouteurs. Donc c'est normal que les enfants tirent les leçons de ce que vous faites. C'est pour ça qu'il faut éduquer la société. Il faut transformer la société. Il faut changer les mentalités. Et ces grands hommes politiques qui n'ont plus rien apporté à ce pays, qui ont été vraiment quelque chose de négatif pour la Côte d'Ivoire, il faut les écarter de la scène politique pure et simplement. On n'est pas obligé de les maintenir. On n'est pas obligé de les maintenir. S'ils ne sont pas responsables, s'ils ne veulent pas se comporter comme des responsables, alors nous prendrons nos responsabilités pour leur parler. Parce que nous aussi, nous avons nos enfants. Il faut créer les conditions. Vous, vous avez bénéficié. Vos enfants sont partout, ils sont dans de bonnes conditions. Et vous, vous jouez avec nous. Vous jouez avec notre génération. Vous prenez notre génération pour des imbéciles. Pour, c'est-à-dire une génération sacrifiée. Une génération au service de la haine, de la violence, des injures. Et cette génération est pauvre. Elle est pauvre. Dites-moi, dans la diaspora, combien d'Ivoiriens l'État de Côte d'Ivoire soutient pour investir dans la diaspora? Moi, je suis allé au Ghana. J'ai rencontré des personnalités pour mieux comprendre. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe?
C'est bizarre, je suis à 10%, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre que je sois à 10%. Je n'ai pas changé ma tablette ce matin, c'est hier nuit, j'ai oublié alors. Ok, chers amis, donc on va déjà rentrer dans le but du sujet. Je le disais tout à l'heure, j'étais au Ghana, même arrivé ici, je suis allé rencontrer, j'ai essayé de comprendre un peu comment les Chinois de l'extérieur, quand ils viennent en Europe, comment ils arrivent à s'installer facilement sur le marché européen. Comment les Chinois arrivent? Comment les Russes arrivent? Même au niveau des Européens, les Portugais, quand ils rentrent en Suisse, comment ils arrivent? Parce que les systèmes politiques depuis leur pays, on se sont battus pour intégrer leurs citoyens dans le système de la diaspora. Les Ivoiriens, là, quand ils viennent, là, ils travaillent plus pour les Blancs. Alors que les Ivoiriens peuvent avoir de grosses entreprises ici. Ils peuvent. Ils peuvent. C'est pour ça qu'il faut interpeller la diaspora dans les débats politiques. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Il faut beaucoup travailler pour que nous, les Ivoiriens, nous soyons actuellement aujourd'hui en retard. Il faut se battre pour positionner ce pays. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez, les Ivoiriens sont plus en retard. Parce qu'ils sont dans des conflits inutiles alors qu'ils sont à l'extérieur. On se comporte comme des gamins. On se comporte comme des enfants. Parce qu'on est dans le suivisme. On suit les gens. On les applaudit. C'est nous, on doit courir derrière eux. Alors que nous sommes les citoyens de ce pays. Il faut qu'on leur, et quand on leur propose, il faut qu'ils apprennent à s'asseoir avec nous. Et donc, il faut que les Ivoiriens de la diaspora amènent les autorités à discuter avec eux. Mais si nous sommes divisés, nous sommes dans des conflits inutiles. C'est comme en Côte d'Ivoire. La jeunesse est divisée. Elle est hypocrite. Elle est malhonnête. On ne se respecte pas. Donc, les aînés ne cherchent pas à nous respecter. Quels que soient nos efforts, quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit l'énergie que nous donnons, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'il y a des moments où ils vont nous manipuler. Ils vont venir nous diviser. Et c'est des choses, aujourd'hui, je pense que, moi, je pense que ici, ce sont des choses qui m'ont été enseignées. Et je suis là sincèrement pour vous dire la vérité. Je vous dis la vérité et je continuerai de vous dire, c'est vrai, ça va vous blesser pour chacun d'entre vous, mais je ne serai plus hypocrite avec quelqu'un. Ici, là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux. Je suis venu de moi-même. Je suis réfugié politique. J'ai vu, quand je sortais dans mon pays, j'ai vu comment les gens sont morts. J'ai vu les églises, les mosquées, les femmes, les enfants. J'ai vu vraiment un désordre dans mon pays. Aujourd'hui, je suis assis là. Je ne fais pas vidéo pour faire plaisir à quelqu'un. Je soutiens le pouvoir actuel. Je soutiens la vision du chef de l'État parce qu'il a compris. Il l'a compris. Là. Il s'est mis là, il s'est relevé. Il a organisé un grand sommet où il a mobilisé les dinosaures du monde, les Merkel, les Macron et tous les grands chefs de gouvernement en Côte d'Ivoire. C'est un grand chef. Et ça, il faut qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans mon pays, il faut qu'on enseigne ça aux gens. Pour diriger aujourd'hui un pays, il faut avoir de grands réseaux. Il faut être respecté au plan international. Il faut être crédible. Parce que c'est des gens qui vont prendre leur argent. Regardez aujourd'hui la Chine, les grands pays. Mais c'est des gens qui ont investi dans ces pays. Aujourd'hui en Chine, en Suisse, c'est des gens qui sont les Italiens, les Allemands, les quoi qui sont venus investir dans ces pays. C'est pour ça que ces pays sont solides. Chez nous, des gens, quand ils ont fait les rébellions, ils ont eu l'argent, ils sont devenus riches, ils se promènent pour narguer le peuple. Ils se promènent pour narguer les Ivoiriens. Ils créent des espaces, ils disent, appellent ça des croche-parties. Ils font des salles. Des gens qui occupaient des fonctions importantes à un moment de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que moi j'ai combattu Soro quand Babou l'a nommé. Parce qu'on ne peut pas mettre comme premier ministre quelqu'un qui n'a aucune notion, qui n'a jamais même travaillé dans une boutique, qui n'a même pas vendu dans une boutique. De la fessie, alors que la fessie, on sait ce que c'est. Ils ont passé leur temps à s'entretuer. La fessie a passé son temps à s'entretuer. On a opposé des étudiants dans notre pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique. Nous sommes confrontés à une certaine réalité. Ce sont ces individus de la fessie qui deviennent premiers ministres en Côte d'Ivoire. Sans aucune notion. Ils deviennent premiers, c'est-à-dire on les bombarde comme premiers ministres. Sous Babo, j'ai dit, mais c'est grave. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. L'histoire me donne raison. Il y a des amis aujourd'hui qui m'appellent pour dire, mais Asso, tu avais raison. Ce que tu disais. J'ai dit, mais j'avais raison.
Regardez l'histoire du président Ouattara. Pourquoi aujourd'hui, partout où il passe dans le monde, il est respecté? Pourquoi? Regardez Ahmed Bakayoko, regardez Gon Koulibaly, regardez Amor Tano, regardez tous ces gens. On ne bombarde pas les gens, c'est vrai. Je l'ai dit, la pratique et la théorie doivent aller de façon parallèle dans la gestion des affaires. La théorie et la pratique doivent aller de façon parallèle. On ne peut pas les dissocier. Si tu as bien appris sur le terrain, tu dois faire une très bonne formation avant d'occuper des fonctions importantes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans beaucoup de nos sociétés africaines. Beaucoup de nos sociétés africaines, aujourd'hui, nous payons le prix. On a mis Soros Premier ministre, facilement. Parce que je vais revenir maintenant dans le thème. Alors, chers amis, continuez de partager cet impact que nous avons signé. C'est vrai, ce matin, très tôt, nous sommes à 407 personnes. Il faut continuer. Je sais que beaucoup d'hommes dorment. Ils m'ont dit, Zasson, ah, vraiment, je leur ai dit, bon, chers amis, quand je suis libre, je profite, je fais ma vidéo. Ceux qui vont se réveiller auront le temps de suivre la vidéo et continuer de partager la vidéo. Alors, chers amis, continuez de partager et puis envoyez à tous vos amis. On va maintenant rentrer dans le but du sujet. Pendant ce temps, qu'est-ce que Zasson fait? Comme d'habitude, il sait si bien le faire. On dit, quand tu aimes ton pays, tu n'attends rien. Moi, j'aime mon pays, mais c'est vrai que la politique aussi doit nourrir son nom, parce que ici, les grands politiciens qui font comme nous, ils sont beaucoup payés. Ils sont très bien payés. Là, j'ai besoin aussi de payer. Parce que maintenant même, là, je vais les amener maintenant à payer, à participer aussi maintenant, c'est important. Tu ne me dois rien, ton chemin. Merci, Jean Brody. Alors, cherchez à partager, chers amis. Il verra pour soi, Dieu pour tous. Ça c'est clair, c'est pas un débat. La méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ça c'est clair, ça. Tout se fait sur cette terre. Ça c'est clair. Amen. Alors, donc, on partage comme ça. Moi, je vous amène ça à mes frères camerounais parce que je voudrais vraiment saluer ce frère camerounais, ce journaliste camerounais qui a pris le courage pour montrer à Afrique Média ces bandes de délinquants, ces bandes de voyous qu'on appelle les journalistes d'Afrique Média. Ils disent qu'ils sont des panafricains. Dites-leur que Zasson dit, vous êtes des idiots. Allez-y, dites à ces journalistes-là que Zasson dit, vous êtes des idiots et vous faites vraiment honte à l'Afrique. Voilà, vous faites vraiment honte à l'Afrique. Vous êtes des manipulés, vous êtes des achetés. Vous n'êtes pas des hommes sérieux. Ces journalistes des médias, Afrique Média, dites-leur que Zasson dit. C'est des gens, moi j'ai pitié d'eux parce que c'est des gens, c'est des individus que Soros et son camp et autres sont allés chercher et qu'ils financent. On dit allez-y, dis ça, allez-y, dis ça. Vous ne connaissez même pas la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez même pas le président Ouattara. Vous ne savez même pas qui il est. Et vous passez votre temps à insulter notre chef de l'État, matin, midi, soir. Je leur ai dit, le moment viendra. Quand on aura les moyens, quand le jour, les cadres du RHDP qui sont au pouvoir là-bas vont se ressaisir. On dit, bon, les assos, les Duto, les Gouza, les Johnny Pacheco, les cyberactivistes, et vous les autres qui êtes des analystes politiques, on va maintenant mettre des moyens avec, à votre disposition. Nous irons au Cameroun. Moi, je l'ai dit à beaucoup de cadres, hein. Je leur ai dit, bon, permettez-moi de rentrer aussi au Cameroun, aller m'asseoir sur les chaînes de télévision. Il faut qu'on ouvre le débat. Je ne peux pas accepter que les gens s'asseyent matin, midi là et qu'ils agressent nos états. Soro, à l'argent, dédié à l'argent, ils ont créé des chaînes, ils se promènent, ils investissent l'argent dans des gens. Et dans notre camp, comme les gens sont au pouvoir, ils sont assis là. Ils sont assis là dans notre camp. Ils ont l'argent, ils sont riches, ils sont assis là. Et Soro finance des gens.
Bédier, aujourd'hui, Bédier est rentré dedans. Eux tous, ils sont dedans. Même la radio PDCI aujourd'hui qui publie les images de la Guinée, cette radio est une radio financée par des opposants guinéens. Notre frère Jacques Roger qui est à la tête là, il a eu le soutien des gens qui sont actuellement là. C'était avant, c'était la radio, c'était comment on appelle ça, Jacques Chaud. Après, ça s'est transformé compte tenu de beaucoup de problèmes qu'ils ont eu. Ils ont pris ça maintenant pour faire de ça une radio PDCI. Sinon, cette radio PDCI là, c'est financé par des opposants du pouvoir en Guinée. C'est moi qui vous donne l'information. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui, la radio PDCI qui est dans l'intoxication, la propagande, qui passe son temps à rencontrer du n'importe quoi, cette radio est financée, a été financée par les opposants guinéens aux États-Unis. Aux États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis, c'est eux qui ont aidé Jacques Roger à créer cette radio que le PDCI aujourd'hui a pris. Il prend pour faire l'intoxication. Donc, chers amis, il faut qu'on amène nos cadres à un certain moment donné à se réveiller. Et ça, nous allons revenir dessus. Parce que c'est important. La communication, elle est importante. Elle est importante. Nous sommes au pouvoir, nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes au pouvoir, nous ne sommes pas dans l'opposition. Le président Ouattara dit, j'ai une vision sur 50 ans. Il faut que chacun de nous se ressaisisse et que chacun de nous comprenne qu'aujourd'hui où on est là, on n'a pas besoin de diluer les terres comme ça. J'ai nous parti côté ceci, vous avez fait cela. Nous tous, on a fait quelque chose dans ce pays. Politique, aujourd'hui, là, il n'y a pas homme politique qui va me dire ici en Côte d'Ivoire que lui, là, il est devenu riche parce que lui, il a bossé. Non. La plupart, 90% des hommes politiques en Côte d'Ivoire sont devenus riches grâce à la politique. Donc, je ne veux pas qu'on emmerde quelqu'un. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, on passe son temps à dire non, il est ceci, il est ceci. Non, personne n'est parfait dans ce pays. On doit se battre pour aider notre pays à avancer. Moi, là, je vis en Europe ici. Ils ne s'attendent pas sur beaucoup de choses. Mais l'essentiel, c'est leur pays. Quand la vie d'une nation est engagée, ils sont comme une seule personne. Quand la vie de leur peuple est engagée, ils sont comme une seule personne. En matière de communication, ils ne jouent pas. Non, allez-y, dites à vos cadres. Ceux qui sont là, qui sont encore dans les murmures, dites-leur que nous, on n'est pas à ce stade. Nous, là, on a pris la résolution de défendre nos pays. C'est vrai. Mais il faut qu'à un certain moment donné, les riches comprennent qu'ils ont profité du système pour être riches. Là. C'est l'argent du pays. Il faut que cet argent permette à d'autres Ivoiriens de travailler pour le pays. Là où on salit la Côte d'Ivoire, nous, on doit être là. Et ça, c'est un message que j'envoie. Moi, je ne suis plus là pour murmurer. Je préfère vous dire ça et puis transmettre ça que c'est Zazo qui a dit ça. Parce que si on a eu 32% au temps du président Ouattara, parce qu'à un certain moment donné, on a réussi à poser le débat. Moi, je connais la mentalité de certains cadres du RHDP. Et ça, je pense qu'à un certain moment donné, moi, je vais leur dire ce qu'ils pensent. Parce qu'on va revenir maintenant au sujet. Avant de rentrer au sujet, je vais dire à tous nos amis que 2020, ce n'est pas 2010, hein, ce n'est pas 2015. 2020, ce n'est pas 2010, ce n'est pas 2015. 2020, ce n'est pas 2010, ce n'est pas 2015. Bédier n'est plus avec vous. Soro n'est plus avec vous. Il y a tellement d'enjeux. On ne peut pas être trop dans la publicité. Il faut qu'on soit aussi plus réaliste sur le terrain. Parce que beaucoup de militants, à un certain moment donné, étaient beaucoup désespérés. Dieu merci, étaient beaucoup déçus. Aujourd'hui, Dieu merci que les militants sont en train de comprendre. Donc, il faut faire assez d'efforts pour aller parler avec les militants. Que c'est vrai, à un certain moment donné, nous avons péché, nous avons fait des erreurs, on n'était pas proche de vous. Aujourd'hui, on a décidé de mettre une machine en place pour être avec vous, parler avec vous, trouver des solutions avec vous. Parce que c'est eux qui votent, c'est le peuple qui vote. C'est le peuple, le pouvoir appartient au peuple. Non, il faut que les moyens soient mis, c'est-à-dire, il faut que les moyens soient créés pour qu'on soit vers ce peuple. Parce qu'il y a des gens, ce que j'ai remarqué qui rend souvent la machine lourde, qui fait faire que Soro et Bédier continuent d'exister, c'est le comportement de certains cadres du RHDP. Mais j'insiste beaucoup d'abord sur le RDR. Alors, je lui ai dit que c'est moi qui dis ça. Je les connais et je sais de quoi je parle. Arrivé à un certain moment donné, je leur dis toujours, vous avez eu une histoire politique. Le RDR est l'un des partis politiques dont les cadres et les militants ont souffert dans ce pays. Le RDR est l'un des partis politiques dont le leader Alassane Ouattara et les autres militants, cadres et autres, ont souffert dans ce pays. Quand vous accédez au pouvoir d'État, je l'ai dit, la première des choses, beaucoup de choses se sont passées, c'est vrai. Mais arrivé à un certain moment donné, il faut savoir lever le pied. Ce n'est pas aux gens de courir vers vous, mais c'est à vous de courir vers les Ivoiriens.
montrer au monde entier que ce que les gens disaient de vous là, c'était pas ça. Mais quand je remarque, ouais bien, on peut citer les cadres qui tiennent aujourd'hui le parti, grâce à qui les militants continuent de croire. Ce sont les ministres Ahmed Bakayoko, ce sont les Amon Tamo, ce sont les premiers ministres Gon. Aujourd'hui, tu es aujourd'hui sur le terrain, parce que sincèrement, j'ai envoyé le message, je pense que le message est passé. Aujourd'hui, il est sur le terrain. C'est ce qu'on demande aux cadres. Là, il y a un groupe qui est là. Eux-mêmes, ils sont autour du président Ouattara. Ils sont même les parents du président Ouattara. Ils ont les moyens, mais ils ne bougent pas. Ils ont les moyens, mais ils ne bougent pas. Ils sont seulement que dans leur région. Ils sont seulement que dans leur région. Mais ça ne marche pas. Non, c'est pas sérieux, c'est pas bon. Vous êtes au pouvoir, vous êtes des cadres, vous êtes des personnalités d'un pays. J'ai mal que chaque fois vous soyez toujours dans vos régions. Allez-y ailleurs. Les autres ont besoin de vous. Les autres ont besoin de vous. Les autres ont besoin de vous. Non, votre frère se bat. Il est partout dans le monde. Le président Ouattara est partout dans le monde. Et vous, vous êtes assis. Parce que le pouvoir, c'est vrai, il est fort. Il se débat. Mais vous aussi, faites aussi des efforts. Ne faites pas les mêmes erreurs que Gbagbo. Moi, je suis en train de vous dire, ne faites pas les mêmes erreurs que Gbagbo. Gbagbo s'est comporté comme ça. En 2016, je leur ai dit dans les agorés parlement, 2017, avant que je ne rejoigne le président Ouattara, il dit, votre politique qui consiste à vous asseoir sur vous, à vous replier sur vous. Je suis en ligne là, je suis en direct s'il te plaît. Je suis en direct s'il te plaît. Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct, s'il te plaît. Ouais, il y a un petit souci, c'est que bientôt, beaucoup ne reçoivent plus de notifications. Parce que quand je suis en direct, beaucoup disent, ah, Zasso, on ne te suit plus. Ce n'est pas de ma faute. C'est Facebook, il y a trop de travaux qui sont en train d'être effectués par Facebook. Ce qui fait que vous ne recevez pas, quand je suis en direct, vous ne recevez pas rapidement. Ce n'est pas de ma faute, c'est Facebook. Voilà, parce que nombreux se plaignent, Zasso, quand tu es en direct, on ne te suit plus. Ce n'est pas de ma faute, c'est Facebook. C'est Facebook, veuillez vraiment m'excuser, ce n'est pas vraiment de ma faute. Alors, chers amis, allez-y dire aux uns aux autres, aux cadres, que Zasso dit, si vous êtes aujourd'hui devenu puissant, riche, là, c'est à cause de la politique. Donc, faites la politique. Mettez-vous à la disposition du peuple. C'est ce que le président Ouattara attend de vous. Si les militants grognent, les militants sont fâchés, les sympathisants sont fâchés, parce que vous, les cadres, depuis que vous êtes assis, que vous êtes devenus puissants, pour vous, là, le reste, là, c'est plus important. Si c'est important, étudiez les grandes luttes dans le monde, comment les Chinois, les Américains et autres sont arrivés là à un certain moment donné. Ils ne sont pas restés renfermés sur eux, parce qu'ils avaient une vision de leur lutte. Quand on a une vision d'une lutte sur 50 ans, alors il faut déjà préparer d'autres générations. Si vous ne vous déplacez pas, vous ne travaillez pas les autres, vous ne cherchez pas à préparer d'autres qui vont vous soutenir demain dans votre lutte, on a appelé à tomber. Un matin, on peut dire, bon, l'autre n'est plus là. Est-ce qu'Arafat n'est pas parti hier? Non, chacun de nous est appelé à partir. Non, il faut déjà préparer des générations, il faut leur donner les moyens, il faut les mettre au travail, il faut les préparer. Pour que demain, si jamais on n'est pas là, nous ne sommes pas là, ces enfants-là puissent continuer notre travail. Parce que l'échec des États africains, c'est ça. Une fois que les gens sont au pouvoir, ils ont un peu net, ils sont assis maintenant, le reste, ils s'en foutent. Ils sont devenus des bourgeois. Ils sont maintenant puissants. Ça dit, tout le monde veut le pouvoir pour être riche. Une fois qu'ils sont riches, ça dit, le combat pour lequel dans l'opposition, ils avaient sueur, ils transpiraient beaucoup là. Tout ça, les oublient maintenant, ils sont acclimatisés. Allez-y, leur dit que Zasso dit 2020, là, ça nous tient tous à cœur. Gbagbo a fait ça en 2010, quand il était au pouvoir. Moi, j'ai vu dedans. Et les exemples vous ont été donnés. Pendant les différentes élections qui se sont déroulées tout récemment, municipales, législatives, conseils généraux, vous avez vu comment vos militants ne se sont pas trop mobilisés. Vous-même, vous avez vu. Donc, faites très, très attention, chers amis. Moi, je vous fais confiance, je crois en vous. Et je vous invite maintenant à vous lever. C'est le moment. 2020, là, c'est maintenant, c'est pas demain. C'est pas demain. Et puis, dire aussi aux militants, élection présidentielle de 2020, c'est comme Champions League, c'est la finale. 2020, c'est la finale. Vous-même, vous voyez, à côté, il y a d'autres qui se promettent, qui nous insultent, qui insultent le président Ouattara, qui salissent la Côte d'Ivoire, qui racontent du n'importe quoi. Ils se sont retrouvés en Angleterre, à chaque temps de choses, pas au Talouco, en Angleterre. Ils se sont retrouvés là-bas, rien que pour insulter du n'importe quoi.
Donc, ça veut dire que c'est de bonne guerre. Ici, là, ce n'est pas sentiment. C'est la vie d'une nation qui est en jeu. Donc, je vous invite, vous les militants, sympathisants et autres, dans un combat, ce n'est pas ceux qui commencent, mais ceux qui vous aident à terminer. Ce n'est pas ceux qui commencent, parce que ceux qui ont commencé peuvent être fatigués à un certain moment donné. Ils ont besoin de relais. Ils ont besoin d'être préparés, de relais pour continuer la lutte. Oufou a construit la Côte d'Ivoire, Oufou n'est plus là. Tous les fologons ont vieilli. Donc, il faut savoir changer la machine. C'est comme une voiture, le moteur. Il faut maintenant mettre de l'huile. Il faut faire. Non, il faut changer les choses pour être plus efficace. Parce que je vois que beaucoup de militants se plaignent. Non. Nous, là, on a commencé le combat du Ouattara. Là, c'était dans l'opposition. Moi, j'étais dans les Agora quand je parlais de l'injustice de Gbagbo vis-à-vis du président Ouattara. Voilà. Donc, il faut que ça soit dans vos oreilles parce que souvent, j'ai l'impression que beaucoup pensent que parce qu'on est militant, alors ça doit être comme ça. Non, 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 non. Les militants seuls ne peuvent pas gagner une élection. Dans une élection, même une voix, elle est importante. Aux États-Unis, Donald Trump a financé, comme on appelle ça, les démocrates. Trump a financé les démocrates. Mais finalement, à la fin, Trump s'est retrouvé dans le parti. Il s'est retrouvé au parti républicain. Même au sein de son parti, il n'était pas accepté. Mais Trump, comme il est riche, il a les moyens, il a utilisé son intelligence, il a recruté des hommes, il a allé chercher des gens. Il s'est mis au travail, Trump a gagné les élections. Macron l'a fait en France. Aujourd'hui, on est dans un monde, on n'est pas là pour faire du socialisme ou bien on n'est pas là pour faire du bénévolat. Nous sommes dans un système, quand on est au pouvoir là, c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêts. Donc, une fois que les gens accèdent au pouvoir d'État, il faut qu'on les réveille. Ça, c'est normal. Et c'est dans notre droit de leur dire ça. C'est à nous de leur dire ça que pour dire, ou leur dire, arrêtez ça. Regardez les grands championnats de l'Europe. On va recruter des gens. Les Didier Drogba, là, à la dernière minute, il y a des clubs même qui vont recruter des gens. Même s'ils doivent payer cher, ils vont payer cher. Parce que si ces gens qu'on fait venir peuvent nous permettre, c'est-à-dire ce débat que nous ouvrons, aujourd'hui, là, regardez sur les réseaux sociaux. Combien de personnes aujourd'hui arrivent à attaquer la Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas sur son camp, qui vont financer des Camerounais pour nous salir. Mais depuis qu'on s'assit ici, là, tout ce qu'ils voulaient atteindre comme objectif n'arrive pas. Parce que le monde entier suit tout. Le monde entier suit tout. On nous écoute, nous tous. Quand ils finissent de parler, là, les assos parlent. Ah oui? Parce que Soros veut souvent ramener le débat du côté des gens du Nord. Mais non, Zasso n'est pas aussi du Nord. Zasso est de l'Ouest. Non, il faut qu'on arrive à équilibrer le débat. Parce que Soros veut faire, non, mais frère, non, nous, on ne peut pas l'amener là-bas. On va lui dire non. Le président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, d'une république. Tu ne peux pas nous ramener dans le communautarisme. Tu ne peux pas nous ramener dans le tribalisme, dans le régionalisme. C'est l'esprit du combat des soroïstes contre le président Ouattara. Et tous, ils veulent que le président Ouattara se mette à leur disposition. Et que le système soit contrôlé rien que par les fils du Nord. Ça ne marche pas, nous n'allons pas leur permettre cela. Ah non, au Fonds monétaire international, où le président Ouattara travaillait, si les gens s'étaient comportés comme ça, vous pensez que le président aujourd'hui pouvait être fort, il pouvait être puissant aujourd'hui? Non. Même sous vos yeux, vous le regardez, il va dans les pays arabes, il est en Russie, il est en France, il est partout. Mais c'est ce qu'on appelle l'ouverture. C'est ce qui a manqué à Gbagbo. C'est ce que le président Ouattara fait à manquer à Gbagbo, a manqué à Bédi. Si Gbagbo s'était comporté comme le président Ouattara, il avait considéré l'ouverture de l'extérieur, mais Gbagbo n'aurait pas eu de problème. Il s'est replié là, avec une révolution qui n'a même pas de tête ni queue et qui a tué des milliers d'Ivoiriens. Donc nous, on est en train de vous interpeller, chers amis. Donc on est obligé d'être ensemble, parce que c'est notre pays. Le président Ouattara est président de la République de la Côte d'Ivoire. Même s'il a été le président du RDR, mais il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Quand il signe là, il signe au nom de nous tous. Quand il voyage là, c'est notre nom. C'est pour ça que nous, on ne va pas accepter qu'on l'insulte. C'est pour ça que nous, on ne va pas accepter que ces gens le dénigrent. Nous, on viendra nous asseoir pour répondre à ces gens. Parce que nous sommes aussi tous des Ivoiriens. Non, chers amis, soyez sérieux pour ça. Moi, là, on a 100. Ce qu'on a commencé là, on va terminer. Moi, je vous dis ça. Dans la vie, il y a des expériences. Regardez, le président Ouattara, il a travaillé avec Gbagbo. Il a travaillé au Feu-Poigny. Hier, il a travaillé avec Bédié. Bédié est parti. Mais nous, notre génération aujourd'hui, là, nous, on a bien compris. Surtout le fait que nous soyons dans des pays qui nous ouvrent les yeux. Chers amis, soyez sereins. Soyez sereins. Ma place au RHDP, là, moi-même, je l'ai déjà pris. Donc, ne vous fatiguez pas. On n'a pas besoin de nomination. Là. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, ça dit que vous, la jeunesse, là, il faut qu'on se retrouve pour que 2020, là, on prépare la continuité. C'est-à-dire, on prépare déjà 2025.
nos petits colères, nos petits problèmes de personnes. Lui, il avait fait ça, lui, il n'avait pas. Tout ça, on n'a qu'à laisser. Aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, tous ces Ivoiriens qui sont là-bas, là, cherchez maintenant à vous unir. Cherchez à vous unir. Parce que dans ces pays où vous vivez, là, c'est parce que c'est l'unité qui a créé les conditions de stabilité de ces pays. Donc vous, vous devez vous battre pour vous unir pour que dans votre pays en 2020, ce pays soit un grand pays. Et le travail que le président Ouattara a commencé, il faut que ce président de travail continue. Alors, chers amis, on va maintenant rentrer dans le but du sujet. Rapidement, on va terminer les deux points. Alors, je l'ai dit, le thème ici, c'est... Ça, c'est à rentrer en matière. Alors, le thème ici, on a dit, c'est... J'ai dit quoi là-même? Ceux qui rêvent de brûler la Côte d'Ivoire. J'ai entendu des gens dire beaucoup de choses ces derniers temps. Allez-y, leur dit d'abord que d'abord la croissance, la pauvreté dont on parle, est le fait de la rébellion qu'eux-mêmes ont créée. Les entreprises qu'ils ont détruites, tout ce désordre qu'ils ont créé à un certain moment donné en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont à la base de la pauvreté, du chômage là, c'est eux-mêmes qui sont à la base. Ils ont participé à créer ce chômage et ce désordre dans nos pays. Donc, ils n'ont pas de leçons à faire au président Ouattara. Allez-y leur dire ça. Allez-y dire à John sur son camp qu'ils ont occupé le Nord pendant 8 ans. Ils ont occupé l'Ouest pendant 8 ans. Et ces zones-là ont tout perdu. Ils ont détruit ces zones. Il n'y a eu aucun développement. Là où ça allait là, nous tous on peut aller s'asseoir là-bas aussi. Hein? Moi, je suis en train de réfléchir. Bientôt, on va mettre des trucs. Et puis, partout là où vont... nous tous, c'est nous-mêmes, on va les défoncer. Parce que moi, je ne me vois pas suivre toujours Soro. C'est pas possible. Soro va dire, non, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas sans ça. Parce que je sais que c'est un homme, il n'est pas sérieux. Il n'est pas crédible. Il n'est pas sincère. Aujourd'hui, Soro est devenu la plus grosse honte de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est devenu une honte. Nicolas Sarkozy, on l'a mis en prison malgré tout ce qu'il a fait en Libye. Mais est-ce que vous voyez Sarkozy dire n'importe quoi, se promener partout pour salir la France? Soro a occupé une partie de la Côte d'Ivoire. Soro a été premier ministre, ministre de la Défense. Et à chaque fois, je le répète, il y a des gens qui disent ici, Zasso, non, si on arrête, on va faire sa publicité. Mais c'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité ça? Si on l'arrête, on va le faire considérer. Et puis, ils ont des langages. Non, on n'a pas dit que si tu mets un politicien en prison, c'est toi qui as les problèmes. Ils pensent que c'est des raisonnements simples. Quand tu mets un politicien en prison, parce qu'ils veulent toujours couvrir leurs péchés. Ils veulent toujours couvrir le mal qu'ils font au peuple. Ils veulent toujours que les hommes politiques dans leur pays soient des dieux. Non, vous aussi, c'est des humains comme nous. C'est des humains comme nous. Ils ne sont pas des dieux. Et ne les mettons pas au-dessus de nos lois et de nos institutions. Quand même, s'il vous plaît. On a des lois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand même. Vous parlez de croissance, ceci, cela, alors que vous avez partagé ce pouvoir. Vous avez partagé ce pouvoir pendant 9 ans. Pendant 9 ans, vous êtes resté dans le gouvernement du président Ouattara. Vous avez partagé ce pouvoir pendant 9 ans. On ne vous a jamais vu critiquer. On ne vous a jamais vu à l'Assemblée nationale. Vous êtes resté à l'Assemblée nationale pendant des années. Vous avez manipulé les députés. Leur salaire a été augmenté. On vous a donné des budgets de milliards sur des milliards. Vous avez plus de 60 conseils. Comme Soro avait 60 conseils. En tant que président de l'Assemblée nationale. Il avait plus de 60 conseils. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Et mais chaque jour qu'il parle, il devient de plus en plus ridicule. Allez-y, lui dit que Zasso dit, tu deviens de plus en plus ridicule. Et puis tu fais honte. Les blancs ne savent qui tu es. Mais tu vas venir, tu vas mettre l'argent. Tu vas louer les salles, tu vas parler, ils te regardent. Et ils te regardent. Ils te regardent, mais ils te connaissent. Eux là, ils te connaissent. Tu vas leur enseigner avant que tu ne viennes t'asseoir devant le blanc. Le blanc te connaît déjà. Tous ces journalistes qui vous reçoivent, vous prenez les caméras, eux, ils vous connaissent déjà. Ils savent qui vous êtes. Ils savent que chez eux-là, vous ne pouvez pas faire ça. Mais ils regardent vos institutions, ils regardent vos lois. Ils disent, mais comment? Moi, j'ai des amis journalistes qui me disent, mes assos, comment quelqu'un qui a créé le désordre, qui n'a même pas été capable de gérer une rébellion où les droits de l'homme ont été violés, quelqu'un qui a pillé aujourd'hui est candidat aux élections présidentielles, il se proclame candidat. Il dit, ah, c'est chez nous. Il est soutenu par des gens. Où. Il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a maltraité des peuples, qui a tué, humilié des gens. Nos cafés, nos cacao, il a tout pris. Il allait vendre ça au Burkina Faso. Il a pris tout l'argent de la BCAO, il allait construire des maisons au Burkina.
les autorités burkinabées ont bloqué tout ce que Soro a construit. C'est de beaucoup de milliards que Soro a versé au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est bloqué. Il ne parle même pas de ça. Notre argent, il a pris pour l'envoyer au Burkina Faso. Soro ne nous parle pas de ça. Il nous prend pour des idiots. Il nous prend pour des idiots. Et quand il parle, il y a des gens qui applaudissent. Et ils sont là pour applaudir. Non, chers amis, le temps d'applaudir, là, c'est terminé. Il faut se dire certaines vérités. Dans l'intérêt du peuple, parce que le peuple, là, c'est nous, notre prise de conscience qui va faire changer nos sociétés. Ce n'est pas le fait de jouer au truc. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Soro a pris notre argent, il l'a investi dans beaucoup de pays. Gbagbo lui a donné tout le pouvoir de premier ministre, il l'a pris, il l'a dans des pays arabes, signé des contrats de pétrole et autres, avec la complicité du régime FPI. Aujourd'hui, il se promène, il dit les candidats aux élections. Et à chaque fois, c'est notre chef de l'État, il cherche à s'attaquer. C'est-à-dire, il veut se mesurer à Ouattara. C'est-à-dire, lui, il veut toujours prouver que lui et le président Ouattara, ils sont la même chose. Non, quand même, toi aussi. Le président Ouattara, vous n'êtes pas la même chose. Le président Ouattara, là, quand il est né, là, il allait étudier. Quand il a fini d'étudier, il a une bourse d'études. De sa bourse d'études, il allait aux États-Unis. Il travaillait et puis il partait à l'école. De là-bas, il est rentré, il a fait les études en économie. Il a eu son doctorat. Il a eu tous ses diplômes en économie. Il est venu à la BCAO. Il a été gouverneur de la BCAO. Ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire l'argent là. C'est-à-dire lui, il dorme, il assis dans l'argent. Il travaille sur l'argent. De là, là, il faut l'appeler pour être premier ministre. Quand il est venu, il a relevé l'économie. Il a relevé l'économie. C'est parce qu'en face, il avait des opposants qui n'étaient pas bien matus. Donc, tu sois rentré dans des trucs avec lui. Et certains même ont précipité la mort de Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'ils voyaient que le président Ouattara devenait de plus en plus fort. Et Houphouët commençait beaucoup à aimer. Parce que l'enfant était convaincant. Chaque jour, il arrivait à convaincre le président Félix Houphouët-Boigny avec sa façon de gérer l'économie du pays. Il a été combattu par Ikonam Bédié. Ce monsieur qui a surfacturé, qui a volé, qui a pillé, qui a fait tomber des entreprises en Côte d'Ivoire ici. Cet ivoiritaire, ce xénophobe d'Henri Konan Bédié, ce tribaliste d'Henri Konan Bédié. On dit, non, ça, il faut penser à demain. De penser quoi à demain? Il y a eu trop de morts. Quand moi, je venais ici, là, j'ai vu des morts. Ceux qui sont tombés, les pouvaient devenir président de la République. Ces enfants qui sont morts pouvaient devenir aussi comme Henri Konan Bédié. Ces femmes qui ont été violées pouvaient aussi vivre comme leurs femmes. Mais on leur a ôté la vie. Aujourd'hui, on dit, non, il faut penser à demain. Vous allez nous tuer, mais tuez-nous. Tuez-nous. Aujourd'hui, je serai comme ça. Demain, je serai comme ça. Vous n'allez pas me changer. Je vous le jure. Je combattrai tout ce qui est injustice dans notre pays. Je combattrai tout ce qui est injustice dans notre pays. On ne peut pas installer à la tête de nos pays des bourgeois. Des gens qui sont nés depuis, sont dans l'argent. Ils ont 86 ans, ils sont encore là. Et puis nous, on est d'accord. Notre génération, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'orgueil, notre génération. Là où au Ghana, des jeunes occupent tout. Ils sont même des présidents de partis politiques. Chez nous, on est là. Et on va donner 700 millions à Bédié. Et on dit maintenant, chacun réclame 1 milliard pour aller aux élections. Et la jeunesse est là, les gens sont pauvres. Les gens ont besoin d'argent. Nous-mêmes, on a besoin d'argent pour faire des choses qu'on a envie de faire. On a besoin de financement. Mais quand tu vas leur parler, là, ils ne vont pas te donner. Mais quand Bédié demande, on va donner à Bédié. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que ce n'est pas sérieux. Quand ce n'est pas sérieux, il faut dire que ce n'est pas sérieux. Le problème n'est pas l'Occident. Ce n'est pas la communauté internationale. Ce n'est pas les Blancs qui sont à la base de nos malheurs. Mais ce sont les mentalités que nous avons installées dans nos sociétés. Il faut vraiment débattre, il faut vraiment combattre cela. Il faut combattre cela. Cet esprit de bourgeoisie-là, il faut combattre ça parce que ça ne fait pas avancer les sociétés. Voilà des bourgeois qui s'asseyent là-bas et qui combattent. Toi, un pauvre étudiant, tu es devenu aujourd'hui milliardaire. Tu es riche. Et c'est toi qui attaques le chef de l'État. C'est toi qui attaques le chef de l'État. Mais il y a le premier ministre Gok Coulibaly qui travaille. Il est premier ministre. Le président, là, il allait au Fonds monétaire. Il était vice-gouverneur. Il était directeur général adjoint, s'il vous plaît. Directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Toi, tu t'en vas t'asseoir devant des gens, des amis, des gens que tu donnes de l'argent. Venez vous asseoir dans des salles. Je vais parler. Mais ils connaissent le président Ouattara. Ils connaissent le président Ouattara. Et ils te regardent, ils prennent un bric, une note, ils te regardent. Mais quand tu vas partir, ils vont rire. Mais ils connaissent blanc. Quand on dit blanc, quand on dit moqueur, et puis hypocrite, là, eux, les gens, ils vous regardent. Eux, là, ils vous regardent. Ils vous regardent.
Magam, on ne t'a pas dit qu'il est Dieu. On dit qu'il travaille. On n'a pas dit Ouattara est Dieu. Qui t'a dit qu'il est Dieu ici? On dit qu'il travaille. C'est ce qu'on vous dit. Nul d'autre, personne d'entre nous n'est Dieu ici. Et nous sommes aussi nés à nous, on a été créés à l'image de Dieu. On parle du travail qu'il fait. On ne t'a pas dit qu'il est Dieu. Quand vous étiez au pouvoir là, vous étiez aussi des dieux. Quand vous étiez au pouvoir hier là, dans ce pays là, vous étiez des dieux. On sait ce que vous avez fait dans ce pays. Arrêtez d'emmerder les gens. Moi, j'ai été victime de votre. Quand vous étiez au pouvoir là, vous savez ce que moi aussi vous m'avez fait. Donc arrêtez. C'est vous qui vous comportez comme des dieux quand vous étiez à votre pouvoir. Nous, on ne vous dit pas que le président Ouattara est Dieu ici. On dit qu'il travaille. On dit qu'il a la compétence. C'est de ça que l'Occident a besoin. Voilà, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de nous emmerder à vos histoires, il n'est pas Dieu. Et puis si ça va, vous allez faire quoi à quelqu'un? Vous allez faire quoi à quelqu'un? On vous a dit que non, lui il se bat pour partir, pour donner le pouvoir à d'autres personnes. Il ne vous a pas dit qu'il vous de la manière vous supportez vos dictateurs qui ont échoué dans ce pays et que vous applaudissiez pour être venu encore au pouvoir. C'est vous qui vous battez pour que votre Dieu revienne au pouvoir. Lui n'a pas dit qu'il veut rester au pouvoir pendant longtemps. Il se bat pour que le pouvoir revienne à notre génération. Vous battez pour que vos gens qui ont échoué là reviennent encore à la tête de la Côte d'Ivoire pour vous venger. Non, je vais répondre, c'est important. Fatigué Ouattara, il faut qu'on réponde. Il y a des choses, il faut répondre. Aux États-Unis, là, Obama répond. Donc, Poutine, tout le monde répond. Il faut qu'on réponde aux gens pour libérer leur tête. Voilà, puis les commentaires bidons, ils vont arrêter pour commencer à réfléchir maintenant. Alors, chers amis, voilà ce que je suis en train de vous dire. Ici là, le président Ouattara, de Fonds monétaire international. Aujourd'hui, il est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Non, c'est même pas l'ami de Soro. Allez-y, lui dit que John Soros, si tu te promènes là, c'est parce que tu es échoué que tu te promènes. Toi, tu crois que les Blancs là, ils vont faire alliance avec toi? Soro, les Blancs là, tu crois qu'ils vont te prendre au sérieux? Les Blancs là, même en Belgique là, tu es allé, en Espagne, tu as menti. Et tous les terrigans, hein, tu dis qu'on a failli t'enlever. Jusqu'à présent, tes avocats ne parlent plus de ça. Tu crois que nous, on n'allait pas réagir? On n'est pas des enfants, on suit tout de près. Toi, tu dis en Belgique, on a failli t'arrêter, en Espagne. Mais on en est où aujourd'hui? Ça fait bientôt 2 mois. On n'a même plus d'informations sur ce problème. On n'a aucune information sur ce problème, ce n'est pas normal. Tes avocats ont porté plainte, ils ont saisi, mais on veut, c'est à quand maintenant les premières informations? Parce que c'est de la pure escroquerie, manipulation. Et cette manipulation en fait que tu as tué des milliers d'Ivoiriens et tu continues de narguer des milliers d'Ivoiriens. Et les gens, nous là, la paix, on s'en fout de ça. Moi, j'étais à Abidjan, j'ai vu la mort. Moi, ce n'est pas la mort qui me freine. J'étais dans ce pays quand il y a eu la crise. J'ai pris des corps. Depuis les événements de 2000, tout ça, j'ai vécu ça. Donc, ce n'est pas la mort qui me freine. Nous, notre combat, c'est d'éviter maintenant des morts. On fait la politique pour protéger des peuples. On fait la politique pour donner la vie à des peuples. On ne fait pas la politique pour tuer des peuples. Parce que moi, j'ai entendu des gens dire « La Côte d'Ivoire va brûler. » Mais la Côte d'Ivoire ne brûlera pas. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Et je mets quiconque au défi et je leur dis « Ceux qui parlent de brûler, brûler la Côte d'Ivoire. » Le jour là, soyez en Côte d'Ivoire. Et puis on va brûler ça ensemble. Personne ne rentrera dans une ambassade. On va tous rester à Abidjan ensemble, puis ensemble. C'est comme vous avez dit, on va faire ça là-bas. Moi, je suis prêt à rentrer à Abidjan, mais vous, on vous attend là-bas. Ne vous promenez pas. La Côte d'Ivoire va brûler à cause de la CEI. C'est toi qui mènes aujourd'hui le combat de CEI. Toi. Toi, Soro. Toi, tu as pris CEI ici, tu as nommé. C'est pas toi qui dis ici que tu as nommé Youssouf Bakayoko. Mais Youssouf Bakayoko, que tu as nommé là. C'est toi qui l'as nommé. Il a organisé les élections ici. Tu as dit que oui, c'est Ouattara qui a gagné. Comme nous tous, nous le savons. Mais pourquoi il y a eu la guerre, Soro? Toi, tu as fait ça ici, il y a eu la guerre. Parce que tu manipulais les cadres. Tu n'étais pas sincère. Tu voulais opposer Gbagbo. C'est-à-dire, s'il y a eu la crise de 2000 ans, c'est Soro qui manipulait Gbagbo Ouattara. C'est lui qui manipulait nos amis. Soro ne jouait pas franc jeu. Moi, j'étais au RDA, j'ai posé ce débat-là, j'ai posé ça devant nos cadres. Devant les cadres, je leur ai dit, quand Soro ne peut pas être premier ministre, après campagne, Gbagbo est déclaré candidat aux élections présidentielles. Et Soro va faire une tournée d'État à quelques semaines de l'ouverture de la campagne présidentielle. Gbagbo a déjà déposé sa candidature. Et Soro prend Gbagbo pour aller faire une tournée d'État dans le Nord. Parce que Soro voulait donner des voix à Gbagbo dans le Nord. Ce manipulateur-là, dites-lui que Zasso dit, il faut maintenant répondre à ce qu'il te dit. Dites-lui. Il a pris les cadres, il a pris lui-même ses proches là pour dire allez-y battre la campagne du président Gbagbo.
Les proches de Soro ont battu campagne de Babo. Babo lui a donné beaucoup d'argent, mais il faut qu'il nous explique où tout cet argent est rentré. Pourquoi il y a eu la guerre? Il était ministre de la Défense. Pourquoi il y a eu la guerre? C'est lui qui contrôlait le pays parce qu'il avait l'armée. Quand les deux années se battaient, Soro avait l'armée. C'est violation des droits de l'homme. C'est peuples qui sont morts. Nous qui avons tout perdu et qui sommes aujourd'hui des réfugiés. Mais il faut que Soro s'exprime. Il ne faut pas qu'il nous distrait à chaque fois. Il ne faut pas qu'il nous distrait. Et puis c'est un conflit avec Babo là. Moi, je pense que c'est une insulte au peuple du Côte d'Ivoire. Babo, Soro, leur conflit là, c'est une insulte aux Ivoiriens. Vous étiez comme ça. L'autre a gouverné une partie du pays, l'autre a pris une partie, 40%, 60%. Aujourd'hui, Babo dit, je ne reçois pas Soro. Soro dit, je ne reçois pas Babo. Et c'est Soro qui va venir s'asseoir ici pour dire, non, Babo doit se réconcilier. Alors que lui-même, Soro, il n'est pas encore réconcilié avec les gens de IB. Actuellement, il est en train de faire parler avec les gens du RDR. Il n'a même pas encore démissionné du RDR. Il est encore au RDR. Il n'a pas encore démissionné. Il est encore au RDR, il n'a pas encore démissionné. Mais il fait parler avec eux. Et c'est lui qui demande aux gens d'aller se réconcilier. Par rapport à quoi? Tu penses que Babo là, avec tout ce que tu as fait là, lui va te suivre. C'est BD qui va te suivre, hein? C'est BD qui joue ton jeu. Parce que lui, malgré son âge là, il ne se fait pas respecter. Comme le PDCI, c'est un parti, c'est un clan. C'est un clan, c'est une royauté. Donc, c'est un roi qui est assis là, tout le monde est obligé d'applaudir. C'est dommage et ça fait vraiment pitié pour notre pays. Bédié candidat. Et des gens vont se mobiliser autour de lui pour dire c'est lui qu'on a choisi pour être à la tête de notre chose. C'est que vous ne voulez pas le changement en Afrique, dans vos états africains. Nous, on est prêts pour le changement. Et on est prêts pour Prado parce qu'il fait un excellent travail. Le pays va brûler. Mais il faut rentrer, tu as compté coup d'état. C'est sous Babo que tu as brûlé le pays. Hein? C'est sous Babo que tu as créé la guerre. C'est sous Babo. Tu t'es maintenu à la tête de la rébellion pendant 10 ans. Parce que Babo a joué à son pouvoir. Babo s'est amusé à son pouvoir. Babo a joué ton jeu avec le FPI. Mais c'est pas sous Ouattara que tu vas atteindre tes objectifs. Hein. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit dans tes oreilles. Toi, tu as brûlé le pays. Va brûler le pays. Pays là, c'est pour toi, sœur. Toi, tu as profité de pays là, tu es devenu riche. Tous les diamants, tu es devenu riche. À cause de toi, Soro, simple étudiant, tu es devenu un, c'est tous ces investisseurs, ces gens tous, c'est-à-dire ceux qui ont bossé, qui ont donné leur vie, qui se battent matin, midi, soir, là, eux, ils vont dire quoi? Toi, si toi, tu brûles le pays. Toi, tu as utilisé la voie de la facilité, tu as pris les armes, tu es devenu riche, tu es devenu premier ministre, tu es devenu président de l'Assemblée nationale. Toi, à cause de toi, le pays va brûler. Mais toi, tu es gonflé, Soro, tu es trop gonflé. Tu n'as aucun respect. Nos enfants vont mourir, nos parents vont mourir à cause de toi, Soro. Mais tu n'as pas de respect. Ceux mecs qui te suivent là, mais tu ne les respectes même pas. Quelqu'un dit le pays va brûler alors que dans ce pays, il y a vos parents. Il y a vos frères, il y a vos soeurs, il y a vos mamans, il y a vos cousins, il y a vos cousines, il y a tout le monde. Et puis vous vous applaudissez. Mais c'est quand même si on est pauvre, même si on n'a rien, même si on est pauvre, mais la dignité de l'homme doit quand même rester. La dignité de l'homme doit quand même rester. Est-ce que vous connaissez la guerre? Est-ce que vous avez vécu la guerre? Moi, j'ai vécu la guerre. Moi, j'ai vécu la guerre. J'étais à Abidjan. Et lui, il dit, va brûler la Côte d'Ivoire. Et puis, on joue son jeu. Et je vois les journaux PDCI RDA qui publient ça. Vous amusez, hein? Vous vous amusez. Surtout vous, les gens du PDCI RDA, vous vous amusez. C'est maintenant que je vois que vous n'avez jamais aimé au feu Boigny. Oui, vous n'avez jamais aimé au feu Boigny, vous les gens du feu. Vous n'avez jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ceux qui tout Bédié là, c'est des égoïstes. Tous ceux qui suivent Bédié sont des égoïstes. Ils ne sont pas sérieux. Vous savez comment en Côte d'Ivoire, moi, j'étais à Abidjan, j'ai vu la guerre. Mais nos aînés, on les a protégés. Mais nous, on savait comment on courait. On savait comment... vous vous amusez, hein, vous, là. Vous vous amusez, hein. Le pays va brûler. Mais Soro, c'est toi qui vas brûler, je te le jure. C'est toi qui vas brûler. C'est pas la Côte d'Ivoire qui va brûler, hein. Tu t'amuses. Tu es conscient. Tu veux faire fuir les investisseurs. Tu veux effrayer les investisseurs. Tu veux effrayer les Ivoiriens. Tu veux amener les Ivoiriens à avoir peur de leur pays.
Moi-même, je vois des gens ici qui m'appellent. Ah, ça, Soro dit le pays va brûler. Soro dit le pays. C'est ça, il leur demande, Soro, il est qui, puis il va brûler le pays. Et puis, quand il vous dit, puis vous sautez dans vos maisons, vous-même aussi, là aussi. Vous aussi. Vous aussi. Vous là aussi, vous aussi. Vous dans vos maisons, là, vous aussi. Quelqu'un dit, va brûler le pays, mais quand il veut brûler, vos parents sont là-bas. Il parle aussi de vos parents. Ça veut dire, lui, il est prêt à tuer vos parents. C'est un message qu'il vous envoie. Quelqu'un qui a pu profiter de la rébellion, qui a tué, et tu veux continuer de tuer. Dans toute sa bouche, tuer. Tuer, prends le pouvoir par la force. Prends le pouvoir par la force. Parce qu'il a tout obtenu par la force. Donc, lui, il croit qu'il va humilier. Mais ça, l'ami, le grand Koulibaly, là, la mère Bakayoko, la Montano, les choses, la Djoumani, les, comme on appelle, les Touré Mamadou, ils ne vont pas te laisser. Hein? Nous-mêmes, les assurants, on ne va pas te laisser. Soro, on ne va pas te laisser. Tu as profité de la naïveté politique de Gbagbo. Tu as profité de la naïveté, de l'immaturité politique des cadres du FPI. Mais tu n'atteindras pas tes objectifs sur le président Ouattara. Parce qu'on va te combattre. On n'a pas les mêmes moyens que toi. Toi, tu as l'argent. Tu peux passer partout pour parler. Mais le moment viendra où tu vas voir que où tu vas aller t'asseoir. Là. C'est là-bas, nous, les assos, on va te répondre. Mais là où on est ici même, on est très fort. Parce que tout le monde a accès à nos vidéos. Tout le monde nous écoute. Tout le monde écoute nos positions. On ne te laissera pas. Ceux qui sont au pouvoir, là, on n'est plus dans faire des failles. Vous êtes des fils du Nord. On n'est pas à ce stade maintenant. Ceux qui sont au pouvoir pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, regardez le premier ministre Gon. Ce qu'il est en train de faire à l'Ouest. Il est en train de faire des routes partout à l'Ouest. Les traces qui allaient détruire le Nord, l'Ouest, là. Voilà, le premier ministre Amadou Gon est en train de construire l'Ouest. Le premier ministre Amadou Gon est en train de lancer des grands projets à l'Ouest. Il faut voir aujourd'hui les merveilles qui se font à l'Ouest. Un villageois comme ça, tu t'assois quelque part là-bas, la Côte d'Ivoire va brûler. Et tu te promènes avec ça, la Côte d'Ivoire va brûler. Bah, toi, tu es qui? Tu es qui? Puis à côté de toi, la Côte d'Ivoire va brûler. Tu es qui? Donald Trump ne peut pas brûler les États-Unis. Macron qui a fait les grandes études, qui a battu campagne, qui s'est comporté comme un garçon, qui a su s'affronter, qui a su s'assumer. Lui, là, la France, il n'a pas brûlé la France. T'es toi, Soro, là, tu as brûlé la Côte d'Ivoire. Toi, simple étudiant, fais 6, que Gbagbo a fait, le FPI a fait. C'est toi qui vas brûler la Côte d'Ivoire. Donc, les Bion là, vont dire quoi? Les Diago qui sont des milliardaires, qui ont créé de grosses entreprises, vont dire quoi? Tous ces Ivoiriens de la diaspora qui se battent, qui souffrent pour aller investir dans leur pays, eux, ils vont dire quoi? Et tous les vont dire quoi? C'est toi qui as brûlé la Côte d'Ivoire, parce que tu as fait rébellion. Parce que tu as fait rébellion. Oh, du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un peu de respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Un peu de respect pour les Ivoiriens. Un peu de respect pour la mémoire de nos morts. Un peu de respect pour toutes les victimes de la crise que tu as créée toi-même. Un peu de respect. Même si les gens te caressent dans le pays. Même si les gens te caressent, ils jouent ton jeu, on te protège. Mais de grâce. Un peu de respect. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour courir. Mais quand tu cours, il faut savoir s'arrêter pour regarder derrière soi-même. Soro, tu bavardes là, mais tu sais ce que tu as laissé. Ce n'est pas encore fini. Je sais que tu es pressé. Parce que tu veux régler tes problèmes. Tu veux le pouvoir. Mais tu n'auras pas le pouvoir pour régler tes problèmes. Tu vas assumer les conséquences de ta rébellion et de tout ce désordre que tu es en train de faire. En 2017, tu as voulu chasser le président Ouattara du pouvoir. Nous, on t'avait dit que c'était un coup d'État. Ça a échoué. Tu te promets, tu dis non, on a libéré Sou Toussou. Nous prenons acte de l'acte que le chef de l'État a fait. C'est lui qui voit. Mais nous demandons la prochaine fois au chef de l'État. Les amnisties, là, il n'a qu'à laisser. Affaire d'amnistie, là, on n'a qu'à laisser. Les gens ont commis des crimes, il faut qu'ils répondent de leurs crimes. Comme ça, les gens vont changer. Mais si les gens commettent des crimes, et maintenant, on va prendre tous nos parents musulmans. On va aller chercher les gens là-bas. Aïta, Kako, Sabarissa. On va rester dans Sabarissa jusqu'à. Et puis, les gens vont sortir, vont dire. Actuellement, selon ce premier raconte du n'importe quoi. Personne ne parle. Personne ne parle. Ils sont tous muets. Mais c'est notre pays sali. C'est notre chef de l'État. On salit. Alors, on va terminer par leur histoire. Des images. Allez-y, dis aux gens, dites-leur que ça se dit. Ils vous entendent souvent parler. Je vous ai déjà dit, dites-leur que le pays ne va pas brûler.
Et je voudrais dire à chaque Ivoirien dans sa maison, de là où vous êtes, vous qui me suivez, montrez-vous comme des, comportez-vous comme des Ivoiriens. Défendez votre pays. Laissez les colères, les problèmes de personne, parce que la guerre ne tue pas. Moi, je sais de quoi je parle. Chers amis, Dieu. Les gens pensent que moi, je suis là parce que non, moi, j'aime la politique. J'aime la politique. Et aujourd'hui, j'ai compris véritablement la politique. J'ai compris la politique. Si je dis aux Ivoiriens, mobilisons-nous derrière le président Ouattara, je sais de quoi je parle. Quel que soit ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, où on est arrivé là, on doit former un bloc. Oui, on doit former un bloc. Le Ghana en avance. Le Rwanda a rebondi. Le Rwanda a rebondi. Voilà aujourd'hui les Libériens pour décoller, ils ont des difficultés. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe au Burkina. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe au Mali. C'est des familles qu'on torture dans leur chair quand il y a la mort. Moi, j'ai vu des enfants agoniser, des femmes agoniser. Moi-même, on a lancé des lance-roquettes sur ma voiture. Des lance-roquettes. Il y a un quartier où je vivais. Les vieux là, les gens là se sont levés un matin en disant qu'on n'a qu'à quitter le quartier. Ben, les roquettes là tombaient sur les maisons. Parce qu'on leur a dit que Zasso était là. Il y a eu une certaine grave méchanceté à un certain moment donné. Aujourd'hui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et donner la vie aux gens, aux pauvres, de vivre. Même si vous ne leur donnez rien. Mais s'ils ont la vie, c'est déjà suffisant. S'ils ont la vie, c'est déjà suffisant. Alors, battons-nous pour leur donner la vie. Ne laissons pas des individus pour des intérêts égoïstes et malhonnêtes chercher à détruire nos parents. Il faut qu'ensemble, on prenne le courage pour mettre fin à ça. Parce que quand on bosse ici, on souffre ici, c'est pour les parents qu'on le fait. Non, disons des vérités aux gens, il faut qu'on se dise des vérités. Si vous devez dire des vérités à celui-là, allez-y, lui dit des vérités. Ne jouez pas avec lui parce qu'il n'est rien. On est tous la même chose. Vous, vous êtes des braves. Lui, il a eu la vie par la facilité. Vous, vous êtes des courageux. Parce que vous, vous vous réveillez matin. Vous bossez. Vous faites ceci pour avoir vos vies. Guillaume Soro a pris les armes. Il a utilisé la voie de la facilité. Ne lui donnez pas la chance. Parce qu'on vous dira quelle éducation vous comptez donner à vos enfants, aux générations qui sont là et qui vous regardent. Et surtout nous qui sommes dans la diaspora. Tous les hommes politiques qui vont venir ici, il ne faut pas on va les laisser nous distraire. Non, parce que nous vivons dans des pays de droit de l'homme. Ici, ils ont connu des moments de grande crise avant d'être des grandes nations. C'est pour ça qu'ils ont mis des lois. Nous devons nous battre pour ça, chers amis. Ne vous laissez plus distraire. Protégez vos parents. Protégez vos parents. Battez-vous pour que vos parents soient protégés. Maintenant, ceux qui parlent de la Guinée, allez-y, là, dites que l'histoire de la Guinée, là, et puis Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. L'histoire de la Guinée et puis l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même histoire. Ce qui se passe en Guinée n'est pas la même chose en Côte d'Ivoire. En Guinée, Alpha Kona, Alpha Condé veut changer la constitution à quelques mois des élections présidentielles. C'est différent. Alpha Condé en Guinée veut changer la constitution à quelques mois des élections présidentielles. C'est différent. Chez moi, en Côte d'Ivoire, j'explique. J'explique pour que vous compreniez ça librement. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils montrent les images de la Guinée. Oui, la Guinée, il faut que ça va arriver chez nous. Il faut que ça arrive chez nous, ça ne va pas arriver chez nous. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez même pas. Il a dit que ça se dit, ne vous fatiguez même pas. Ça ne va même pas arriver en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas arriver. La Guinée, voilà les images. C'est publié par Radio PDCI. Voilà les images. Ils disent que ça s'est fait au Burkina Faso. Au Burkina, Blaise Compaoré a voulu modifier la constitution à quelques heures des élections. Chez nous, en Côte d'Ivoire, dans mon pays, je vais boire un peu. C'est important aussi. C'est du thé. Dans mon pays,
des gens se sont levés ensemble. Soro, le président Ouattara, Bédier, les cadres du PDCI, le PDCI RDA, eux tous se sont levés comme un seul homme. Et ils ont voté une nouvelle constitution. La constitution a été votée à 86% à un an, quelques mois des élections. C'est différent. En Guinée, l'opposition n'est pas d'accord. Chez nous, là, ceux qui se disent opposants ont voté la constitution à 86%. Dans quelle cette constitution autorise le président Ouattara à être candidat aux élections présidentielles? On ne peut pas faire une constitution qui permet à Bédié d'être candidat, puis le président Ouattara ne peut pas être candidat, ce n'est pas sérieux. La constitution que Soro a fait adopter par les députés, et les députés du PDCIRDA ont voté, ont adopté cette constitution. Allez-y leur dire ça. Quand Zasso dit la constitution de 2016 a été votée, aujourd'hui nous sommes à combien? 2019, ça fait 3 ans. Alors pourquoi vous comparez ce qui se passe à Guinée chez nous? Chez nous ici, l'opposition a participé à non seulement à l'élaboration de cette constitution, mais à voter cette constitution, à faire voter cette constitution par tous ses militants et ses partisans. Ils ont même battu campagne. Alors pourquoi vous comparez ça en Guinée? Ce n'est pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire. Non, la constitution, là, on va l'assumer nous tous. Constitution, vous êtes à... Moi je n'étais pas là-bas, je n'ai pas voté. Mais je dis, on va respecter ça. Parce qu'il faut qu'on se comporte aujourd'hui comme des hommes civilisés. Nous ne sommes plus des villageois, nous ne sommes pas... Nous sommes des gens, on a été à l'école. La majorité a adopté la constitution à 86%. Nous allons faire appliquer cette constitution. C'est vous qui avez voté? Nous qui n'avons pas voté là, on dit ça va s'appliquer. Vous dites, non, il ne faut pas, on va appliquer. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et c'est cette mauvaise foi qui tue les Ivoiriens. C'est ce qu'on... Regardez, la mauvaise foi de nos hommes politiques qui fait que nos Ivoiriens meurent matin, midi, soir. Parce qu'on est de mauvaise foi. On a voté quelque chose. Après, on dit non, on ne se reconnaît plus dedans. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce qui se passe en Guinée ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire. Là où on est là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ne vous fatiguez pas. Non. La nouvelle constitution qui a été votée, là, il y a des lois d'État qui permettent au chef de l'État de changer encore des lois dans cette constitution. C'est vous qui avez voté? Nous, on n'a pas voté, on est sérieux. On veut que ça se respecte. Maintenant, vous qui avez voté, vous vous comportez comme des hypocrites. Et vous pensez qu'on va vous croire, on va vous suivre dans ça. Ah non, ça ne marchera pas du tout. Désolé pour vous, ça ne va pas marcher. Donc les gens, soyez sereins. Il n'y aura pas de soulèvement. Personne ne prendra le pouvoir par la rue. Personne. Ça, là, soulèvement populaire, là, c'est en Guinée, là. Ceux qui sont dans la rue, la majorité, sont des peuls. La majorité sont des peuls. Ils sont partout aux États-Unis, en France, partout. Eux, c'est des grands commerçants. Ils ont l'argent. Eux, ils ont l'argent. Vous, là, vos bédiers, là, ils peuvent... Soulèvement, là, vous savez combien ça coûte? Même les gens dans la rue, vous savez quoi? Il faut payer la communication, il faut les nourrir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Cette pression-là, pour avoir ça, là, c'est pas un jeu d'enfant. Il faut avoir des soutiens extérieurs. Ah oui! Il faut que le leader lui-même, il soit fort. Parce que si tu échoues, si ça échoue, tu es mort. Si ça échoue, tu es mort. C'est pas un jeu d'enfant. Quand on va faire ça à Côte d'Ivoire, vous parlez, les Ivoiriens sont devenus cons, et puis ils vont se lever, ils vont se mettre dans la rue à cause de vous. À cause de vous, constitution, vous avez voté sur leurs yeux. Là, et ils vont se lever, ils vont dire, non, nous, on s'est occupé la rue parce que le président Ouattara vient être candidat. Mais c'est parce que vous avez voté qu'il sera candidat. Vous-même, vous avez voté, c'est pour ça qu'il sera candidat. Où est le problème? La constitution permet au président Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles. Il est où le problème? Lui, il dit, va réfléchir, c'est le président même qui retarde encore. Mais si c'est moi, demain, il m'assoit, il dit, je suis candidat. Ou bien voilà mon successeur, ou bien voilà les dispositions que je prends. Ou bien matin, il se lève et dit, Bédier, moi, nous, tout ça, on ne sera pas candidat. Pierre, puis c'est Pierre. S'il a parlé, il a parlé. S'il dit, Bédier ne sera pas candidat. Il réunit les députés, il réunit les sénateurs. Il bloque Bédier, bloque tout le monde. Il dit, bon, nous tous, on a la retraite. Nous, on va applaudir le président Ouattara, c'est fini. Ça veut dire qu'en bris, on a fait reposer cette génération. Parce qu'il faut le faire. Si on doit aller chercher des bulldozers même, on doit aller chercher des catapillas pour les amener à la retraite, on doit le faire. Parce qu'ils ne vont pas se lever. Ils sont trop assis. Ils sont trop assis. Ils ont l'argent. Ceux qui sont à côté ont des problèmes.
Alors qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour faire la politique, il faut avoir l'argent. Voilà la mentalité. Parce qu'on suit ceux qui ont l'argent. On suit ceux qui ont l'argent. Donc ça nous fatigue, nous tous. Donc, chers amis, en tout cas, voilà un peu ce que j'avais à dire. Alors, ceux qui parlent de Côte d'Ivoire va brûler, le pays ne brûlera pas. Il n'aura rien. Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Le pays ne va pas brûler, soyez sereins. Hein, ne vous laissez pas distraire. Gardez le moral haut. Dites que 2020, nous on prépare déjà 2025. Bah, 2020, il est déjà bouclé. Et on va descendre sur le terrain, on va faire un excellent travail. Moi, je vous ai dit, oh, bientôt, là, il m'a massé au pays. Je vais partir de pays en ville, village en village. Mon frère Alpha Yaya en train de mettre en place une coalition de jeunesse. L'esprit en train de naître. Vous avez des associations partout. Déjà cherchez à vous inscrire dans cette association, dans cette coalition, parce que on va faire un excellent travail. On va faire un excellent travail. Et je compte sur chacun d'entre vous. Levez-vous comme un seul homme pour que 2020, il y ait des élections sans que le sang d'un Ivoirien ne soit versé. Et on va se battre pour obtenir zéro sang versé. Obtenir zéro sang versé. Nos parents ne doivent plus mourir pour Soro, ils ne doivent pas mourir pour Bédier, ils ne doivent plus mourir pour Babou. Non. Si tu es mort, c'est que tu as eu ta maladie. Soit tu as mal soigné ton coco qui s'est développé en toi. Soit tu as eu ton djokwadjo que tu as négligé. Mais tout ça là, pour ne pas que ça arrive là. 2020, ça sera la continuité de ce que le président Ouattara fait. Alors, chers amis, soyez sereins. Dites-leur qu'on est sereins et qu'il n'y a rien. Moi, je vous aime. Je crois en vous. J'ai déjà dit ce que je peux dire. Dans vos maisons, continuez le débat. Mais je prie Dieu que la priorité soit d'abord la Côte d'Ivoire. Ça soit la terre de vos ancêtres. La priorité soit la sécurité de vos parents. La priorité soit la sécurité, la paix dans votre pays, dans la paix. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, c'est vos parents. Hein. Je ne parle pas de moi. Pour moi, beaucoup sont morts. J'ai perdu mon père, j'étais ici. J'ai perdu mon grand-père qui m'a adopté toute ma vie. Je l'ai perdu. J'ai perdu ma grand-mère. J'ai perdu même ma tante qui me tenait à cœur. J'ai perdu le petit frère de mon père qui était le... Donc, j'ai perdu pratiquement 5 à 4 personnes. Mais il y a encore beaucoup qui restent. Et il y a les Ivoiriens même qui m'aiment, qui m'attendent encore là-bas. Donc, pour tous ces Ivoiriens, Ivoiriennes qui sont là-bas, je me battrai pour que 2020, il n'y ait pas de sang versé. Parce que je n'accepterai pas que leur sang soit versé. Ils ont déjà assez de problèmes. Là-bas, ils ont déjà des problèmes. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes femmes, il y a des dames, il y a des hommes qui cherchent l'argent pour pouvoir se construire. Faire leurs petites affaires, s'investir. Les hommes politiques ont beaucoup. Eux veulent créer Palab. Nous, on ne va pas leur permettre de créer Palab. Ce que le peu que le président va faire en 2020, quand on va finir de ficeler les choses, on va permettre à la jeunesse, aux femmes et autres de s'intégrer dans la société. Voilà, pour que dans notre pays, les femmes soient libres, les hommes soient libres. Comme ça, l'amour, ça dure. Voilà, comme ça, l'amour va durer. Parce que quand les hommes, ils ont un peu, ils distraient les femmes. Donc, on va faire de sorte que chacun soit stable. Comme ça, dans nos foyers, les choses seront plus solides. Quand tu n'es pas là, ta femme remplit déjà le frigo. Elle n'a pas besoin de t'attendre. Le frigo est rempli. C'est ça, on dit, j'ai laissé madame à la maison. Tu es au dehors. Il n'y a pas feu dans la cuisine. Les enfants sont assis là, ils sont en train de pleurer. Papa assis quelque part dans un maquis là-bas, il n'a pas temps. Il est en train de s'amuser, elle est fraîchinie. Madame, on connaît maison. Une fois que dans la cuisine, il n'y a rien, il y a trop de mouches. On n'entend plus ce bruit de mouches que... Mais quand il y a le feu, mouches, même dedans, on ne sent pas que les mouches sont là. Donc... Non, chers amis, en tout cas... On va créer une société au Ghana. Là, les femmes sont fortes, elles sont puissantes. Aujourd'hui, les femmes au Ghana, la femme a un pouvoir. Même quand un étranger marie une femme ghanéenne, l'étranger n'a pas de pouvoir. Hein. Ah oui, c'est la femme qui donne le pouvoir à la femme au Ghana. Hein. C'est pour ça que les Libanais, les ont tous fui, ils sont allés en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils supportaient plus. En Côte d'Ivoire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se permettre certaines choses. Mais au Ghana, là, on leur a dit ici, là, tu as marié notre sœur. Maison, c'est son nom, ça va porter. Tout là, ça va porter son nom. Ça dit, tu vas... Elle, il ne joue pas avec ça. Hein, au Ghana, là. C'est pour ça que les femmes sont fortes. Là-bas, elles sont dans les affaires. Elles sont des femmes puissantes. Elles sont riches. Elles ont de l'argent. Le système. Donc, chers amis. Alors, on assemble. Et puis, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Zasso Patrick. Et puis, bon dimanche à vous. On a lundi ou mardi. On s'attrapera lundi.
Mais ça dépendra de l'actualité. S'il y a des événements, je réagis demain. Mais s'il n'y en a pas, que c'est calme, je vous dirai que c'est calme. Soyez rassurés dans vos maisons. Il n'y aura rien en 2020. Non, il n'y aura rien. Continuez de mobiliser, allez-y partout. Dites au cadre, à tout le monde que Zasso dit, levez-vous. Ne faites pas les mêmes erreurs que Babou a fait. Les gens sont assis, ils ont l'argent sur eux, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas investir, ils gardent pour eux seuls, puis disent non, comme le président est fort, et puis demain dans les urnes. Moi, je ne veux pas qu'on soit surpris. Moi, je ne veux pas passer mon temps à bavader pendant des années, et puis maintenant, on va me dire on a eu 38%, on a eu 48%. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Et dimanche, là, lundi, ça va être mon discours. Donc, vos cadres, là, dites-leur que Zasso dit, il est temps maintenant que vous levez. Ça fait des années que vous avez eu l'argent. Ce que vous avez maintenant, là, allez-y vers les militants, allez-y vers les sympathisants, allez-y vers tout le monde pour vous mettre au travail. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je salue tous mes amis aux États-Unis, tous mes frères. Bientôt, on sera aux États-Unis. Donc, préparez-vous. Le jour où on dit que le Diaby nous dit, Diaby Lassine nous appelle, le représentant de la diaspora en Europe, nous appelle demain. Il dit, bon, on a fini Paris, on s'en va en Belgique, on s'en va aux États-Unis, on viendra à Johnny Pacheco, nous tous, on fera vidéo, et puis on sera tous aux États-Unis. On aura le temps de se connaître, parler, et puis parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je vous aime, je vous adore. L'esprit, c'est que, quel que soit le parti politique qu'on appartient, quel que soit l'homme politique qu'on aime, notre priorité doit d'abord être notre pays. Notre priorité doit être d'abord la Côte d'Ivoire. C'est ça qui doit être notre combat. La Côte d'Ivoire d'abord. Que Dieu vous bénisse. C'est Anglo-Bazassou.